Bonjour à tous, bonjour. Ça y est, on approche du 23 novembre 2022. Voilà. Et puis, le petit début de matin, un peu en retard, parce que je vais lever un bout de temps. Comme il prévu, il pleut, donc voilà, relax. Je vais prendre une pomme léger, très léger, tranquillement. Matin, je fais Nagano, peut-être Nagano, Shinjuku, tout ça. Après-midi, je fais la suite de la vidéo que j'ai fait sur le. Je vais pas faire sur la vidéo. Et après, on va rentrer dans mon hôtel vers 4-5 heures, mais avant, si possible, on verra comment je sors bien. C'est randonnée léger, programme. Hein. Mercredi, voilà, profitez. Donc voilà, c'est ça, c'est tout. Voilà, bonjour, c'est tout, voilà, c'est fini. Allez, on vous laisse. On part de l'hôtel d'ici un petit quart d'heure, je pense. Et on décolle. Ouais, merci. Alors, bye bye. Merci. Ma petite journée à Nakano, je venais assez relax facilement. Voilà, Nakano c'est bien, c'est j'adore faire les boutiques. Nakano, il y a quoi Nakano? Il y a tout, boutique de vidéo, boutique de manga, tout ce qui est rétro gaming. Les prix sont pour part assez pas trop, moins, un peu moins cher qu'Akiba. Bon, après, tu bien sûr, tout est à type, tu cherches le prix, tu mets tes prix. Hein. Moi, j'ai acheté 15 balles, donc pour toi, ça m'intéresse pas, mais c'est au cas où. Hein. Voilà, c'est Nakano Firin, je mets ça pendant peut-être la matinée jusqu'à environ 1 heure. Voilà, c'est le Nakano. Voilà. Les figurines, les dérosées, tout ça, tout ce qu'ils font, super, ils doivent passer les meilleurs. Il y a des choses qui font plaisir, avec nous, n'est-ce pas? Allons-y. Regarde, là, il y a vraiment tout. J'ai vu une vidéo que j'avais oublié de mettre, une vidéo face cam, une vidéo, une petite vidéo, mais bon, elle a fait un peu plus longue, mais là, la vidéo que j'ai rajoutée. J'ai oublié, c'est la. J'ai oublié. Là, ça arrive, toi. Oui. Voilà, c'était une visite de Nakano. Voilà. Je vais le plaisir, quand même, comme ça. Pardon. Il y a des choses intéressantes à trouver, mais
Là, il y a deux trucs là-dedans. La couleur métal, les fruits et les pics de la France. De l'époque, les pics de la France. C'est une vitrine, Alors là c'est la petite session du film, donc la ligne, il y a une line du début à la fin, de tout le trajet de Reno jusqu'au Reno, quand la boucle. Mais c'est fait ça en deux fois. Pourquoi en deux fois? Parce que la batterie, elle n'était pas deux fois, la batterie, la caméra, c'était environ une demi-heure, qui me filme beaucoup avec le moment, donc j'ai filmé beaucoup, donc j'ai fait en deux jours différents. Là c'est la fin de la session, tout à l'heure c'est pas lui, mais la vidéo est complète, elle est facile, de tout le trajet que j'ai fait. C'est assez pratique de voir ça, il y a eu là, comment ça se tourne, voilà, c'est nice. Voilà. Ici à ma grande surprise, il y avait un petit 700 karaoké dans le coin. J'ai fait une vidéo pas ça, c'est une fille qui chantait, ils font ça, il y a même ça dans le canot, hein, il y a ça aussi, des bars, hôtesses, il y a vite tout. Le canot c'est vraiment un lieu très spécial. Même tout le temps que j'y vais, j'ai pas souvent, j'ai pas vu ça souvent, c'est bien aussi. Pas juste l'achat, j'ai juste pour voir les choses. Là c'est une chose inédite que j'ai trouvé dans le coin. Voilà. Thank you.
De la journée, finir sur J1 Live dans MT Line tranquillement. Hein. Suite demain. Alors c'est parti, c'est bis et Bruno. Voilà. Oui, merci, à la prochaine. Ciao, ciao. Bonjour, à bientôt. Je vais faire des choses pour faire des choses, je vais mettre une batterie. Alors, je vais mettre une batterie. Alors, je vais mettre une batterie.